Bonjour, bonjour à tous, bon matin, Happy Thanksgiving, bonne fête d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est férié partout au Canada parce que c'est la fête de l'action de grâce où on remercie le bon Dieu pour toutes les récoltes de l'année. Grand frère Mola, oui, Maury le Mola. Ouais, je dis grand frère. Vous voyez, quand tu faisais Mola, travaille-moi. J'étais encore derrière toi en âge. On est obligé de préciser ça avec ces énergumènes qui sont toujours là pour dire est-ce que lui là c'est ton grand frère. Comme si c'est moi ceux qui a accouché, ceux qui sont sur la planète Terre. Oui, grand frère, je suis là aujourd'hui pour te parler sérieusement. Ça dit que ce que je suis en train de te dire, moi je suis une personne vraie, je ne suis pas une personne hypocrite. Ce que je suis en train de te dire, j'aurais bien voulu te le dire dans le inbox. Mais maintenant, comme quand on rentre dans l'inbox des gens avec toutes les expériences passées, je ne rentre plus dans une box. Si il y a quelque chose à te dire, je suis bloqueuse, je viens sur la toile, je dis et puis je passe ma route. Je suis là aujourd'hui pour attirer ton attention sur un fait. On a encore vu ce qui est sorti hier avec les primudes. On a vu encore de partout, tous les posts, les vidéos, tout et tout. Moi, je suis là pour te donner un conseil de petite soeur. Oui, j'avais briefé ça un peu quand tu avais un peu le petit froufrou à Nadège. Comme j'ai dit, Nado, je la connais. Son sang est chaud, mais elle a un bon fond. Elle a fini de faire ça. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai dit, elle va se réconcilier avec Mola et au bout de 30 minutes, c'est arrivé. Donc, bref, j'ai apprécié. J'ai apprécié ça. Mais je suis là aujourd'hui pour te parler vraiment comme une sœur. Ton événement primude là, si tu veux que ça aille de loin, ça dit que si tu veux que ça aille de l'avant, pardon, tu veux que ça aille plus loin, je crois que j'ai souligné ça dans la dernière vidéo. Il faut te détacher de ton événement. Détache-toi parce que aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que quand quelqu'un n'a pas, ça dit que ça n'a pas marché pour quelqu'un, c'est toujours toi qu'on vient mettre à la vindicte populaire. Tu es ma mamaïwa, tu ne l'es pas. Moi, je ne suis pas là pour te critiquer. Voilà, parce que je ne t'ai pas vu en train de mamailler le nom des artistes là-bas. Mais je te parle en conséquence de cause, parce que selon ce que je vois ici, des gens à qui appartiennent des grands événements comme ça, ils se mettent en arrière. Tu dois même, ça dit que toi, tu dois seulement gérer avec un organisateur. Oui, je sais que tu as expliqué ça, mais apparemment, ça ne passe pas. Je ne peux pas comprendre que quand des artistes n'obtiennent pas un prix, toujours c'est sur toi qu'on vient. Toujours c'est sur toi. Oui, c'est toi, c'est à toi appartient l'événement. Mais pourquoi c'est toujours toi qui as la vindicte populaire, on vient, on t'insulte, on te dit tant c'est rentré, c'est sorti ici. Ça aide qu'à un moment donné, tu ne prends pas de distance face à ton événement. Vous allez me dire, c'est son événement. Je suis en train de parler en connaissance de cause. Quand tu as quelque chose d'important ou tu gères du monde comme ça, vous croyez que les grands événements comme les awards ou bien des grands événements qu'on organise ici au Québec là, ceux à qui appartiennent les gens, on ne connaît pas leur nom. C'est ça. On ne connaît pas leur nom. C'est pas qui est derrière ça. Nous, on sait seulement qu'on organise. Oui, ici, même quand on organise des événements, souvent, il y a des gens qui disent, oh, ben, les journalistes surtout, on aurait pensé que c'est lui qui devait avoir le prix ou bien tatata. Bon, bref, peut-être les années à venir. Mais pourquoi chez nous, c'est pas comme ça? Si tu n'as pas eu cette année-là, ça veut dire que c'est problème de Mola. Si tu as eu là, maintenant, les dents sont derrière ici. Et il y a un petit artiste que j'ai découvert il y a deux jours, c'est Wendy qui m'a parlé de lui, Ramba Junior. Tous ceux-là aussi, ils viennent faire des postes. Attends, mais tu sais, grand frère, oui, c'est vrai, tu aimes ton travail. Mola, je te parle du fond du cœur. Tu aimes ton travail, mais à un moment donné, il y a toi-même ta personne, il y a ta réputation. Et puis tout ce qui arrive, quoi qu'on dise là, c'est pas bon pour le moral. Tu vois, tu organises quelque chose où tu mets du sien. Tu mets tout ton fond dedans vers la fin. Ce n'est que des insultes. Ce n'est que tout ce à quoi on assiste. Moi, je te conseille, oui, si tu ne l'as pas encore fait, peut-être que tu l'as déjà fait parce que je t'ai entendu dire ça. Mais si ce n'est pas encore fait, il faut que tu le fasses. Désormais, avant de commencer ton primude là, dis à ces artistes, hein, même les artistes qui chantent Minya, Koya, Oya, tous ceux aussi là, eux, ils vont venir pour se plaindre ici. Je n'ai pas eu, mais est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir un prix? Mais il y a des nominés, vous partez tous. Et puis on donne, non, si tu n'as pas eu, ça veut dire que Mola a forcément marmaillé. Il faut qu'on grandisse un peu dans la tête. Hein? Les Africains, il faut qu'on grandisse, surtout les Ivoiriens. On aime trop ça. Quelqu'un organise quelque chose, à part le primude, là, il y a quel autre événement en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il y a un autre événement, nous autres, on ne sait pas. Mais ce n'est pas possible. Chaque fois que vous sortez du primude, si ce n'est pas avant, c'est après. Il y a toujours des remis ménages. Pourquoi quand tu n'as pas gagné cette année-là, tu te dis, bon, d'accord, c'est un concours, ou bien c'est pas, c'est un quoi, je n'ai pas gagné cette année, je m'en remets à l'année prochaine. Non, c'est pas ça. Dès lors qu'on n'a pas gagné, ça devient Mola, ça devient Mola. Il faut arrêter. Hein? Mola aussi, là, c'est l'enfant de quelqu'un. Arrêtez un peu un jour. Je suis là pour vous dire ça. Arrêtez. Oui, il est dans le showbiz.
Mais quand même, je pense qu'il apporte du positif aussi. Oui, on ne peut pas traiter quelqu'un injustement. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas vu en train de mamailler. S'il mamaille là-bas, là, c'est le temps maintenant qu'il prenne ses distances. Avant l'événement, il fait un communiqué de presse où il dit « Désormais, le Mola n'est plus de près ou de loin. » Oui, c'est vrai, je suis le responsable de l'événement, mais désormais, je ne suis plus dans cet événement-là. Moi, je suis que le superviseur de loin. Et puis bon, ça va être clair. Voilà, pour ne pas que Pierre vienne dire que c'est mon, on m'a pas donné, ou bien Paul va venir dire, il faut arrêter, hein, arrêter cet acharnement-là sur Mola. Hmm? Mola n'est pas le seul mauvais en Afrique, là. Il y a des mauvais là-bas. Pourquoi c'est toujours lui? C'est exagéré. Oui, si vous voulez dire que je prends sa défense, je trouve que c'est abusif. C'est abusif. Si tu n'as pas eu le prix cette année, tu laisses. L'année prochaine, tu vas avoir. C'est ce que Etienne a vous dit. C'est pas possible. Vous allez faire comme ça. Oui, oui, oui. Quand cet événement-là, ce seul événement culturel qui existe à Abidjan, ça va disparaître encore. Tout ce qu'on essaie de créer, vous allez mettre la zizanie, vous allez mettre les palabres dedans tout le temps. Il y a une année, on ne lui a pas donné là. C'est devenu un gros tollé. Donc, chaque fois que quelqu'un ne va pas avoir, si tu t'attends à avoir et que tu n'as pas eu là, ces problèmes, non, on a donné à temps, c'est moi, ma musique est moussée. Pourquoi on a donné? Écoutez, il faut qu'on sorte un peu de ces querelles intestines-là. C'est pour ça que je suis là. Je suis là aujourd'hui pour te dire, mon frère Mola, c'est ton événement. Tout le monde sait que c'est toi qui as créé le Primut. Mais désormais, ça dit que mets-toi un peu en arrière. Reste en arrière. Dis désormais à tes artistes là-bas, là, les artistes palabreux qui n'aiment que la chicane. Regardez comment les autres pays évoluent sur le plan international dans la musique. Regardez la musique des autres pays, Congo, Mali, regardez comment ça évolue là-bas. Hein? Aujourd'hui, même ici à la télévision, il y a des morceaux des artistes, comment on appelle ça, africains, maliens et autres là, qui passent ici à la télé. Mais il n'y a aucune musique ivoirienne qui passe ici. Parce qu'on est dans les palabres. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, oui, mais à un moment donné, il faut qu'on l'encourage. On ne va pas être là pour le rabaisser, on va le mettre plus bas que terre. Moi, je suis là aujourd'hui pour crier mon ras-le-bol. Arrêtez. Si ça ne vous intéresse pas, quand on vous a nominé dès le départ, dites que je ne suis pas intéressé. Mais quand on vous nomine, vous êtes content, vous vous pavanez. Maintenant, si ça ne marche pas, c'est pour venir faire des postes à gauche, à droite. Il est temps que tout ça s'arrête. Parce que ce n'est pas beau de l'extérieur. Tout événement qu'on va organiser en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait des problèmes dessus. Moi, je dis ma part. Hein. Vous avez un petit mot dans la bouche. Mola l'a payé ou bien ils ont payé qui? On ne paye pas quelqu'un ici. Ce qu'elle vous dit, c'est la vérité. Je n'ai pas dit que Mola est correct, mais je dis désormais qu'il s'éloigne de l'événement pour préserver aussi sa réputation. Ce n'est pas parce qu'on est personnage public qu'on doit te descendre à tout bout de champ. Il a dit ma part. Moi, il m'a payé mes bananes et mes aubergines. Viens faire fou de mon mari. Au revoir. Ciao.